Cool. Maintenant, il y a juste moi qui peux parler. Donc, c'est ça. La classe aujourd'hui que Kim vous a écrit, comme dans les cours réguliers, là, on va avoir une partie échauffement, une partie développement, puis on va finir avec du core aujourd'hui. C'est un cours sans équipement. Comme j'ai dit tantôt, si vous avez des questions, vu que vous êtes en muet, n'hésitez pas à soit enlever votre option muet puis me poser votre question que vous pouvez faire vous-même, ou deuxième option, juste me l'écrire. Pendant que Kim démontre les mouvements, moi, je vais être à l'ordinateur en train de répondre à votre question si vous en avez. Okay? On va commencer par exemple par un échauffement. Que vous allez juste me suivre. Okay? Je vais être à l'écran derrière et vous allez faire comme moi. Okay? Une classe sans bruit. Une classe sans bruit? Ouais. Tu vois les trucs de musique? J'ai une petite musique. Enlevez pas votre chandail. Ce qui est drôle, c'est que j'ai entendu personne rire parce qu'ils sont tous à nu. Charles Foss. Des rotations thoraciques.
le plus loin possible devant. On va aller toucher l'autre côté. OK. 4-4. Je vais venir faire une extension lombaire, extension thoracique, flexion thoracique, flexion lombaire. Good. On va des inch-worm push-up. Jambe droite. Main au sol. Push-up. Très bien. Good. On dépend le cou. On recule le cou. Tu l'as acheté, moi? Non, c'est bon. C'est bon, tu fais bien. Good. Tricep stretch, on prend le coude, on tire vers le bas. Change de côté. On est retiré les poignets un peu. OK. Sur un pied, je recule la jambe, je touche, je kick. Pas chez ça, c'était pas mal. Encore? Au complet. À l'arrière. OK, et on va terminer avec des high knees. Good work. OK. Boom. Là, je vous entends tous. Correct l'échauffement? Oui. C'est bon? Super. OK. Maintenant, boom. Vous voyez bien l'écran? Le workout qu'on a à faire? André, tu vois bien? Pourquoi je t'entends pas? Moi, je peux rien lire. Là, les gars, ben correct. Ouais.
Mettez-moi en gros, vous devriez pouvoir le voir, là. C'est ici, là. Oui, je sais, mais je suis pas capable. Mais moi, en vedette. Oui, je sais. D'habitude, je le fais, mais là, il veut pas. OK. Bon. D'habitude, je pine de vidéo, puis ça marche, mais là, il veut pas. D'habitude, il y a trois petits points, t'écris mettre en vedette. Ouais, non, ça faisait juste dire chat. Weird. Sandy, are you good? Some of it. Can you see that? Yeah, yes. So, ce qu'on va faire, guys, trois rounds, mais au lieu de faire un 30 secondes de travail, 30 secondes de repos à chaque fois, on va faire un 40 secondes de travail, 20 secondes de repos. Fait qu'on est quand même sur un clock de 1 minute, mais on va travailler plus qu'on va se reposer. On va alterner entre 10 mouvements, puis à la fin, avoir une minute de repos. Les mouvements qu'on va faire vont être les suivants. Fait que le premier, ça va être Mountain Climber. Vous voyez Kim à l'écran? OK. Fait que ce que je veux, c'est que je veux pas que le pied en avant touche par terre comme ça. OK? Je veux pas ça, je veux ça. Wow! Donc le pied touche jamais au sol. OK! Ça, c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, Jumping Jack. Pas mal simple. Good. Troisième mouvement, plank to plank. Donc, sur les avant-bras, sur les mains. Sur les avant-bras, sur les mains. Puis, remarquez la position de Kim. Ça va être ici. Okay. Tu vois qu'elle roule sur le plate par en avant. Et Kim n'a pas un dos à pied. On ne veut pas voir ça, même quand vous devenez fatigué. Il est toujours avec le plate par en avant. Puis, le haut du dos, rond. Quatrième mouvement. Lateral lunge, okay, ou side lunge, ou Cossack squat. Pieds vers les extérieurs, on lève le côté opposé des orteils, puis on pousse toujours les genoux vers l'extérieur en gardant le talon sol. Est-ce que Kim va le faire en même temps que nous autres pour qu'on puisse se guider? Oui. Okay. Après ça, il va y avoir des bent over row. Fait que si vous avez des dumbbells, vous allez prendre vos dumbbells pour le faire. Vous allez pencher par en avant, garder le dos droit. OK? Puis tirer vers le nombril. Ce qu'on veut, c'est essayer de mettre les deux omoplates ensemble le plus possible. Fait que ma tête de faire, c'est de venir squeezer ma main ici avec ces omoplates. Okay? Fait qu'on travaille pendant 40 secondes. Prenez pas un poids trop lourd. Okay? Prenez un poids assez léger. Si vous n'avez pas de dumbbell à la maison, vous pouvez prendre une barre. Si vous n'avez pas de barre, vous pouvez prendre un sac à dos avec du poids ou quelque chose qui fait la même chose. Okay? Encore une fois, si vous êtes comme perdu au milieu du workout, vous pouvez toujours poser des questions. Après ça, on fait inchworm. Pas de push-up. Ce qu'on va faire, c'est garder les jambes droites, avancer les mains le plus possible. On avance, on avance, on avance. On garde les abdominaux bien contractés, puis on revient en gardant les jambes droites. Vous risquez de ne pas vous rendre loin comme Kim, probablement. Okay? That's perfectly fine. Okay? So, le but de ça, c'est oui, tes pecs, tes épaules travaillent, mais c'est d'engager les abdominaux le plus possible quand tu le fais. Okay? Septième mouvement, standing lateral raise. Ça, c'est comme le plus simple. Tu vas avoir un poids de chaque côté, une pinte de lait de chaque côté, des cannes de Pepsi de chaque côté, puis tu vas juste faire des mouvements comme ça. C'est un poids qui est lourd, il n'y a rien qui t'empêche de travailler pour un genre 20 secondes, prendre 10 secondes de repos, travailler un autre 10 secondes. Puis si tu as des poids qui sont trop légers, tu peux juste bouger plus lentement en le faisant pour faire sûr que tes épaules travaillent quand même. Hein? Huitième mouvement, jumping lunge. Fait que poids sur le talon, le pied en avant. Le genou qui ne dépasse pas les orteils. Okay? Si ça, c'est trop difficile, vous pouvez juste faire des lunges alternés. Comme ça. Okay? Puis, il n'y a rien qui vous empêche de commencer avec une des options et finir avec l'autre. Après, on va sur les burpees. On connaît tous les burpees. Okay? André, non? Wall sit. Vous allez trouver un espace mural. Vous allez vous asseoir au mur à 90 degrés. Okay? Comment pour ça? Ça marche-tu, ça? Les quoi? Les mots sont pas. Ça fonctionne pas. Puis ce que je veux pas que vos mains soient sur vos cuisses quand vous faites ça. Vous mettez les mains sur les côtés des jambes. OK? Wall sit, puis après ça, vous avez une minute de repos. Puis on recommence ça trois fois. Fait que c'est une trentaine de minutes l'entraînement d'aujourd'hui. 33 minutes. Puis après ça, on a les abdominaux à faire. OK? Fait que vous avez besoin de deux poids légers. Peut-être un matelas, ou sinon, on peut le faire par terre. Il n'y a rien qui vous empêche. Un mur, c'est pas mal ça. Pas mal ça. Pas besoin de beaucoup d'équipement, là. Pratiquement rien.
Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. On va commencer dans 2-3 minutes. Vous pouvez les poser à voix haute ou vous pouvez les poser dans les commentaires. Cool. Lucien, est-ce que tu vois mieux maintenant? Oui. OK, cool. Kim va démontrer, puis vous allez aussi avoir le chronomètre dans l'écran en haut. Parfait. Okay? C'est pour ça qu'on le fait au gym, là, c'est plus facile pour vous. Merci. Je vous aime, en tout cas. Aimeriez-vous avoir de la musique ou non? Oui. Vous voulez avoir de la musique? Là. André dit oui. Moi, oui. Mais... Ouais, Caro veut de la musique. OK. On veut de la musique, Ben. Êtes-vous tous prêts? Oui. Oui. Je vais toutes vous muter. OK. Cool. Kim, t'es prête? Oui. Ouais. Kim est prête. Tout le monde est prêt? OK. Boom. Good. On va commencer avec les mountain climbers. On commence dans 10 secondes. Trois, deux, un, c'est parti, mountain climber, pour 40 secondes. C'est long, 40 secondes, bougez pas trop vite. Good job, good job, good job. Il reste 10 secondes. 3, 2, 1. Break. Cinq. Trois. Deux. R, jumping jack. Good job, guys. All the way up. Tu vas suer? 10 secondes. 2, 1, break. Good work. Pendant le break, dis-nous c'est quoi le prochain exercice. Plank to plank. 2, 1, go! Fait qu'on pousse l'omoplate devant, on va des mains au coude, puis on garde les mains directement au-dessus des épaules. Okay. Allô, coude? 10 secondes, guys! Continuez à bouger! Faites bien ça! Engagez vos abdominaux le plus possible! 3, 2, 1, break! Lateral lunge, side lunge. Side lunge, Caro. Trois, deux, un, go! Gardez le talon au sol, genou vers l'extérieur, puis on tourne le pied opposé à chaque fois. Good, Mel, je vois que tu fais ça en famille, c'est bon ça. Quinze secondes, guys! Cinq, trois,
2, 1. Break. Bent over row. Fait que c'est là que vous allez aller chercher deux poids légers. C'est bon, Caro. Des cannes de bin. 2, 1. C'est parti. On commence avec les poids légèrement devant. Puis on tire vers l'arrière. En essayant de mettre les deux omoplates ensemble. C'est trop facile, vous pouvez bouger plus lentement ou vous pouvez prendre une seconde de pause en haut du mouvement. OK? There you go, regardez la poitrine sortie. Le dos droit. Watch your back, Sandy. Keep that back straight. Chest up. Yeah, that's better, Sandy. And break. Next one is the inchworms. Inchworm, again, no push-up. Like, pas de push-up, juste inchworm. T'avances tes mains le plus loin possible, tu reviens. Tu veux pas finir comme ça. Garde toujours un bon hollow body position. OK? 3, 2, 1. C'est parti. And break. Lateral raise. Encore une fois, si ça n'est pas beaucoup de poids, faites juste descendre tranquillement. OK, mais on veut bouger pour 40 secondes. On part ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Good. Good job, guys. Faites bien ça. Halfway. Il reste 20 secondes. Good. Deux. Un. Break. Jumping lunge. Fait qu'à chaque fois on saute, on change de jambe. Si c'est trop difficile, faites juste des walking lunge. Il n'y a pas de problème si vous voulez pas sauter. Lui va brûler les jambes. Soyez prêts. 2, 1, go! Good job, guys. Faites bien ça. Genou vers l'extérieur, le genou qui ne dépasse pas les orteils. Good, good, good. There you go. Les deux pieds qui décollent en même temps, le plus possible. 10 secondes. Come on, Lucia, let's go, let's go. 2, 1, break. Burpees. T'habitues avec celui-là. Trois, deux, un, go! There you go. Fait qu'on atterrit toujours sur les talons. On reste sur les talons en descendant et en montant du mouvement. La poitrine qui va complètement au sol. Keep going, guys. Ça va bien. Dix secondes.
deux, un, break. Un dernier avant la minute de repos, c'est le wall sit. On va au mur. Essayez d'être le plus possible à 90 degrés parallèle au sol. Tenez-le 40 secondes au complet. On part dans 5 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. On a 15 secondes de fait. On a 25 secondes de fait. Il reste 15 secondes. 10 secondes. 5, 3, 2, 1. Une minute de repos. Good, là, je vous entends. Ça a bien été, la première? Ouais. Ouais, nice. Good work. Là, c'est à mon tour de le démontrer, là. À mon tour de suer un peu, on n'a rien fait de la journée. C'est la première expérience de CrossFit à ma mère. Ah ouais? C'est vrai? Ouais. Elle aime ça? Aime ça? Ouais. Elle peut l'air ça. Ouais. Pas sûr. Elle n'a pas le choix, hein? C'est combien d'exercices qu'on a fait? On a fait 10. On commence dans 20 secondes, OK? Fait que là, je vais tout vous muter. Boom. Good. On commence ça dans 10 secondes. On commence avec les mountain climbers. 2, 1, 2. Bon, guys, on continue. Il reste 10 secondes. Trois, deux, un, terminé. Good job. Le prochain, c'est des jumping jacks. On va y aller dans 5 secondes. 2, 1, et allez-y. C'est beau, guys. On est à moitié. Reste 10 secondes. Deux, un, pause. Prochain, plank to plank. On va y aller dans 5 secondes. 3, 2, on y va, en planche, on descend puis on remonte. On essaie d'alterner chaque bras. C'est ça. On garde les fesses en ligne avec le reste du corps. On essaie de ne pas bouger les hanches de gauche à droite, on reste bien serré. Ça devient ça, il reste 15 secondes. Il reste 5 secondes.
deux, un, break. Good job. Le prochain, ça va être les lateral lunge. So les lunges d'un côté à l'autre. Deux, un, allez-y. C'est ça. Assez. Ouais, reculez-vous, allez vous asseoir en arrière du talon. Gardez la poitrine levée haut, par exemple. C'est ça. Good job, on continue. Trois, deux, un, pause. Good job. Le prochain, c'est le bent over row. So, si t'as tes dumbbells ou quelque chose d'autre. Dans cinq secondes. Deux, un, allez-y. C'est beau, on garde le dos droit. Les bras le long du corps. Et on roule vers l'arrière. Good job. Gardez les coudes rentrés proches de vous. Il reste 10 secondes. Et break. Good job. Prochain, c'est le inchworm. On va dans 5 secondes. 2, 1, allez-y. On allonge le plus loin possible. On garde notre hollow et on revient. Essayez d'avancer les mains plus loin que les épaules le plus possible. Good job. On garde les jambes droites. Good job. On continue. Reste 10 secondes. Trois, deux, un. Break. Le prochain, c'est les lateral raise debout. Soit avec tes deux dumbbells ou tes deux cannes ou quelque chose. Dans 5 secondes. 2, 1, allez-y. Debout droit, on garde le corps serré. On lève à la hauteur des épaules, on descend lentement. Good job. C'est ça. Il reste 10 secondes. Deux, un, and break. Le prochain, ça va être les jumping alternating lunge. C'est ça. Hein? Dans 3, 2, 1, on y va. Good job. Continue. Essaye de ne pas arrêter toutes les 40 secondes. Good job. On lâche pas. Faites bien ça. Let's go. Reste 10 secondes. Trois,
2, 1, terminé. Good job. Le prochain, c'est les burpees. Non. 2, 1, et go! Good job, guys. Vous êtes à moitié. Il reste 5 secondes. 2, 1, et break. Et le dernier, c'est le wall sit. Dans 5 secondes. 2, 1, and go. C'est de garder le bas du dos contre le mur. Les mains à chaque côté. Vous êtes à moitié. Il reste 10 secondes. Et break. Good job. Une minute de pause. Reste une round. Faites bien ça, guys. Une dernière fois. Puis moi, je fais triage. On va faire moitié-moitié. Non, attends le break après. Break good. Là, c'est le repos, c'est le repos. On part dans 20 secondes, guys! Talia, là, t'es prête? Good. On commence avec les mountain climbers dans 3, 2, 1, go! C'est le second. Trois, deux, un. Good. Vous avez fini avec les mountain climbers pour aujourd'hui. Jumping jack s'en vient. On passe dans 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. Here we go. All the way up, André, all the way up. There you go. 10 secondes, guys, let's go. Faites bien ça. Hi, Sandy. Good work, guys.
2, 1, break, plank to plank. Trois, deux, un, go! Vous devriez sentir votre corps, vos abdominaux qui travaillent. Hein? Ah. Good job, guys! Keep moving, keep moving! Cinq, trois, deux, arm, break. Nice. Side lunge, lateral lunge. And go. C'est parti, work those legs, guys, let's go. Try to go as low as you can. On va le plus bas qu'on peut sans décoller le talon du sol. And break. Bent over row, vous allez aller vous chercher vos deux poids légers. Et on part ça dans 5 secondes. 3, 2, 1, go! There we go, good job guys. On devrait sentir ça dans les biceps et dans le dos. Quinze secondes. Trois, deux, un, break. Inchworms. En 5 secondes. 2, 1, allez-y. C'est ça, on allonge le plus loin possible. Good job. Bien sûr, reste 15 secondes. Et break. Good job. Prochain, standing lateral raise. Prends nos dumbbells. Dans 3, 2, 1, et allez-y. C'est ça. On serre le ventre, on monte les bras jusqu'à la hauteur des épaules. C'est beau. On prend notre temps descendant. Good job. Vous êtes à moitié. Reste 10 secondes.
3, 2, 1, et break. Good job. Le prochain, ça va être les jumping alternating lunge. Hein? Moi, j'ai fait le plank de plank. Trois, deux, un, allez-y! Good job, on lâche pas, guys! Vous êtes à moitié chemin! Il reste 10 secondes. On continue jusqu'à la fin. 3, 2, 1. Good job. Il reste juste les burpees et le wall sit. All right, burpees le prochain. Dans 10 secondes. Et allez-y! Let's go, guys. On travaille fort jusqu'à la fin. On est quasiment fini la grosse partie du workout. On lâche pas, on lâche pas. Dix secondes, guys. Trois, deux, un. Pause. Good job. Il reste juste le wall sit. À cinq secondes. Deux. Un, allez-y! Ça vient, ça, il reste 15 secondes. Trois, deux, un, and done. On va vous donner le droit de parler. OK, good job. Pas si bien? Nice. Good work, good work. Et on a encore des abdominaux à faire. Oh my God. Je suis de partout. C'est une bonne chose, ça. Oh. Good work. Prenez une petite gorgée d'eau, là, on va donner une petite minute là, et demie. Puis après, Kim va vous expliquer la deuxième partie. Ben, la troisième partie. Ils peuvent le voir. Ben, j'ai une gorgée d'eau, j'en reviens. Fabien, là, t'es-tu là? Je suis là. Ah, OK, t'es couché à terre? Oui. Donc, cool. Donc, la partie abdominaux core du cours d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, 3 sets, OK? On va tout faire tourner en même temps? Ou? On va le faire tourner en même temps. Fait que 3 sets. Le premier exercice, je vais tout les expliquer, après on va le faire ensemble. Premier exercice, ça va être 10 set-up, plank up. OK? Fait que vous voyez Kim à l'écran ici?
Kim a les jambes droites quand elle commence. D'habitude, quand on fait les sit-ups, on a les jambes pliées comme en papillon. Okay? Mais là, elle va avoir les jambes droites. De cette position-là, Kim va céder avec ses mains pour se lever. Et elle va terminer en petite boule. Qui en appelle ça un pike. Boom. Ou qu'elle lève ses hanches. Okay? Moi, quand je le fais, ça ne lève pas au même mes fesses. Okay? Juste en penchant par en avant et en essayant de lever tes fesses, ça va contracter tes abdominaux. Okay? Ça ne lèvera probablement pas ou comme ça. Ça va ressembler probablement plus à ça. C'est ça. Okay? Vous risquez de ressembler à ça. On va en faire 10 comme ça. Après ça, on va faire 20 under over. Fait qu'il va falloir un objet. Ça peut être un petit poids. Quelque chose de très, très léger. Ça peut être un livre. Un gant. N'importe quoi. Un gant, un livre, une botte, un soulier. Du lissol, c'est bon, ça. Puis de là, ce qu'on va faire, on va le passer en dessous d'une jambe, passer en dessous de l'autre. Passer en dessous d'une jambe, passer en dessous de l'autre. Puis vous remarquez, elle est comme dans un V-sit un peu, Kim, en ce moment. Okay? Elle est comme dans une position de bateau qu'on appellera en yoga. Okay? Puis de là, elle vient passer en dessous de chaque jambe, comme ça. On va en faire 20 alternés, fait que 10 de chaque côté. Okay? C'était le deuxième mouvement. Puis le troisième mouvement, c'est 10 reverse crunch. Tu vas te coucher par terre, tu lèves tes genoux à ta poitrine, puis tu amènes tes genoux à ton visage après. Fait que tu fais comme un crunch, mais un reverse crunch. Au lieu que ce soit ton haut du corps qui lève, c'est ton bas du corps qui se replie sur toi. Okay? Fait que si ça, c'est trop difficile pour vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est juste lever vos genoux le plus haut possible. Comme ça. There you go. Okay? Puis sinon, on lève aussi le bassin. Okay? Fait qu'on va en faire un mouvement. On va prendre une minute de repos. Un mouvement, une minute de repos. Êtes-vous prêts? Oui. OK, je vais partir le chronomètre. On en fait 10? J'en vais en faire 10. On commence ça dans 10 secondes. Oui. Vous pouvez suivre Kim à l'écran, celle qui va le démontrer. Je vois rien. 3, 2, 1, go! Le focus, c'est de te pencher par en avant. C'est ça, très très beau, guys, très très beau. Oh, excuse. Good, c'est beau, Lucia. Bon, André, garde les jambes droites, André. Good. On se repose un peu. Allez prendre votre objet léger. N'importe quoi, ça peut être votre bol. On va repartir à écart sur le chronomètre. OK, changement de plan. On repart dans 3, 2, 1, go! Fait qu'on passe en dessous des jambes à chaque fois. Nice. Good work, guys. Good. Fait que le corps, il penche un peu vers en arrière. Good work, good work. 20. On en fait 20. 10 de chaque côté. Good. On prend le 30 secondes de repos. On recommence avec 55. Tu vas en faire 10 reverse crunch. C'est 10, 20, 10. 15 secondes. Trois, deux, un, go! On amène les genoux au visage. On lève le bassin du sol. Puis on se plie en deux. There you go. Good. Nice, c'est bon, Lucia, ça. Bon, André. Good job. On repart avec 45, il reste 15 secondes de repos. On recommence, ouais, on fait 3 sets de ça. On repart dans 5 secondes.
3, 2, 1, go! Good, c'est beau, Mel. Good work. Good job. Ouais. On recommence à 45, 20, under, over. C'est under, over, mais tu fais juste des under. Hein? Under. Oh non. That's right, that's right. On repart ça dans 5 secondes, 20 répétitions. 3, 2, 1, c'est parti! Good job. Keep going, guys. On continue. Good work. Hey, je suis pas sûr que ça va couper dans une minute. Je pense que j'avais réservé jusqu'à 5h30. Fait que ça se peut que ça coupe. On verra. On repart ça dans 10 secondes. 10 reverse crunch. 3, 2, 1. C'est parti. Let's go. Les genoux au visage. On lève le bassin vers le ciel. Good work. One more, guys. Une dernière round. On recommence les 10 setups. Pike up. 5. 5. 3. 2. 1. Go. C'est votre dernière round. Let's go. Go, André! Ouh. Lève les fesses, lève les fesses! Ouais. Il est tough, lui. Good work, guys. Two more. Dix secondes. Il y en a moins dans moins de repos. On fait les 20 over, under, 20 over, under. In 5, 4, 3, 2, 1, go! Good job. One more exercise, guys, and then we're done. Un exercice, après on a fini. On repart ça dans 5 secondes avec les 10 reverse crunch. 3, 2, 1, c'est parti. Dernier 10 répétitions. Merci, bonsoir après ça. Good work, guys. Merci. Merci. Bye. Bye. Vous avez bien fait ça, guys. Good job. Moi et Kim, on donne les cours à chaque jour à 4h30. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci.
Good work. À la prochaine, Vince. It's nice to see you guys. Yes, j'ai hâte de vous voir en vrai. Encore plus. Oui, maison. Hey, salut tout le monde. Bye. Allez, bye-bye. Bye tout le monde. Salut.